Thank you.
chiffre. C'est là-dedans.
Jérôme, il en a exprès pour ça, je crois. Non, mais d'abord, tu vas faire le produit vidé, d'accord, pour les forestiers. Ok. Après, tu mets ça. D'accord. En fait, en fond, même que ça chauffe, ça ne monte pas Déjà, c'est un week-end de dingue. Tous les week-ends qui rassemblent des jeunes pilotes, c'est top parce que c'est le futur, c'est l'avenir. Et puis ben, nous, on est là, les inters, on a fait notre petite course après-midi, enfin aujourd'hui. On a eu des conditions, au final, c'est plutôt positif que ça soit boueux le matin parce que regardez cet après-midi, on a une piste, elle est incroyable. J'ai gagné deux fois Rozoy. Maintenant, je roule plus, donc forcément, je venais sans prétention, juste pour le plaisir. Bon, malheureusement, ma moto m'a lâché pour la dernière manche, mais en tout cas, je me suis fait plaisir et puis j'ai été très content de revoir le public de Rozoy parce que moi, j'ai des souvenirs de dingue ici, en fait, avec les deux victoires que j'avais eues, avec un public qui était en feu. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu de casquette, on va dire. Je suis plus pilote. Je suis entraîneur de mes pilotes du team 737. Il y a David qui roule, il y a Anthony. Alors, il n'y a pas tout le team, mais il y a quand même deux bons pilotes, on va dire. Je remercie aussi Patrick parce que Patrick, c'est le président, mais c'est aussi un copain. Ok, allez, troisième et dernière manche de la catégorie inter.
Oh, je vais te chier.